dois protéger tout le monde. Fiers les vaillants soldats d'Hyrule, le royaume est à présent menacé par un danger comme il n'en a jamais vu. Voilà déjà plusieurs années qu'une prophétie a annoncé la résurrection du fléau Ganon. Nous avons déterré les créatures divines et nos recherches sur les reliques ont bien progressé. Cependant, nous sommes bien loin d'être suffisamment préparés. Les monstres pullulent aux quatre coins du royaume, comme jamais auparavant. Les griffes de l'ennemi se rapprochent même du château d'Hyrule. Commençons par chasser les monstres qui infestent la plaine. Ce sera la première étape de nos nouveaux préparatifs pour affronter le fléau. Courage, soldats d'Hyrule! À présent, à l'attaque! Au secours! À l'aide! Ah! Ah!
Un mystérieux gardien. Une mystérieuse tour. J'ai beau réfléchir, je n'y comprends rien du tout. Mais qu'est-ce qu'il lui prend ? Hé ! Attends-nous ! Soldats, vous avez fait du très bon travail. Te voilà. Tu es saine et sauve. Les déesses soient louées. Oui, votre Altesse. Je vous apporte la tablette Sheikha de la part de Kua. Le gardien avait projeté un message sur la tablette Sheikha. Il y expliquait qu'il avait remonté le temps depuis le cœur même du fléau afin de sauver Zelda. Impa suggéra de charger les chercheurs en reliques, Prua et Pharas, d'étudier ce gardien, ainsi que la tour qui était soudainement apparue dans la plaine. Et le roi d'Hyrule approuva cette demande. J'imagine que, tant que Pharas ne l'aura pas analysé au laboratoire, on n'en saura pas plus. Vous avez raison, votre comtesse. Pourquoi ce gardien vous a-t-il attaqué ? Il utilise une énergie antique et une technologie encore inconnue. En d'autres termes, ceci est un type de gardien tout nouveau comme je n'en avais encore jamais vu. Sa capacité à amplifier la puissance des reliques comme la tablette Sheikha n'est qu'une application de cette technologie. Je vois. C'est pour ça que même nous, avec la tablette Sheikha, nous avons pu... Il y a plus. Il renferme aussi une quantité d'informations, dépassant de loin les limites de notre imaginaire. Coucou ! Whistiti ! J'ai essayé de récupérer quelques-unes des images enregistrées dans ce gardien.
c'est... Oui, ça ne fait aucun doute. Ça ne peut être que le château d'Hyrule tout de suite après la résurrection du fléau. Même si nous avons pu en extraire des informations, une grande partie des données était corrompue. Cependant, si je continue à les analyser, je pourrais peut-être en apprendre davantage. Voilà donc ce qu'il adviendra de notre royaume quand renaîtra le fléau. Si cela devait se produire, nous ne pourrions plus rien faire pour Hyrule. J'ai peur que les mesures que nous avions envisagées jusqu'ici ne soient pas suffisantes. Si jamais je ne parviens pas à sceller le fléau... Non. Je dois à tout prix empêcher cela. Afin d'être en mesure de sceller le fléau Ganon, il allait falloir réunir la lame purificatrice, le pouvoir du sceau que possède la princesse d'Hyrule, ainsi que la puissance des quatre créatures divines qui avaient été déterrées aux quatre coins du royaume. Mais la forêt Korogu, où repose la lame purificatrice, était tombée aux mains des monstres, tandis que le pouvoir de Zelda, la princesse d'Hyrule, ne montrait aucun signe d'éveil. Préoccupé par la situation, le roi décida qu'il fallait au plus vite réunir les pilotes des créatures divines. Il dépêcha, auprès des candidats choisis parmi leurs peuples respectifs, sa fille Zelda et Link, promu chevalier servant de la princesse, suite à la bravoure dont il avait fait preuve. Comptez-vous vous promener partout avec cette relique suspecte ? Oui. Après en avoir discuté avec Proa et Pharas, nous avons jugé que c'était préférable. Je ne vous le dirai qu'une seule fois. Votre devoir doit être votre seule et unique priorité. Est-ce clair ? Je suis consciente du rôle que j'ai à jouer, père. Je le remplirai sans faillir. Les Gerudo vivent dans une cité des contrées Gerudo. C'est un peuple du désert, noble et fort, uniquement composé de femmes. Urbosa, la chef des Gerudo, douée de la prodigieuse faculté de contrôler la foudre et d'une exceptionnelle aptitude au combat, a été choisie pour piloter la créature divine Vanaboris. Elle était également une amie très proche de la défunte reine d'Hyrule. Accompagnée de Link, Zelda se rend en tant qu'émissaire du roi d'Hyrule à la cité Gerudo. Mais en chemin, les événements prennent une tournure des plus inattendues. Nous devons aller le demander à Urbosa en personne. Urbosa ! Pourquoi ? Pourquoi fais-tu une chose pareille ? C'est ici que votre destin s'achève. Princesse Zelda. Je suis rentrée aussi vite que j'ai pu. Mais je n'aurais jamais cru me retrouver confrontée à ça. Urbosa ?
Au moins, vous n'avez rien. N'est-ce pas, madame? Je n'ai rien, non. Bon sang! Il a fallu que tu interviennes! Eh bien, puisque c'est comme ça... Oh, oui. Les petits jeunes, je compte sur vous. Avec ça, Impa. Vous m'agacez, madame. Ouvre ça. Comment ai-je pu être vaincu par ces vermines? Grand Koga. Supa, t'en as mis du temps. J'ai bien failli y rester. Ça ne se reproduira pas. Replions-nous. N'y pensez même pas. Pardonnez-moi de vous avoir fait déplacer jusqu'ici. En ce moment, la confusion règne dans la cité. Cela ne me dérange pas, Urbosa. Ce n'est pas ta faute. J'imagine que vous connaissez le gang des Higa, n'est-ce pas? C'est une branche dissidente du clan Sheikah qui a pour but de ressusciter le fléau Ganon. Ces bandits ont étendu leur influence jusqu'ici, dans le canyon Gerudo. Nous ne pouvons pas éternellement les laisser faire sans réagir. Je vais piloter Naboris. J'en accepte le commandement. De la part d'une personne aussi chère à mon cœur, c'est une demande que je ne peux pas refuser. Je te remercie, Urbosa. Moi aussi, j'accomplirai mon devoir en tant que princesse d'Hyrule. Oh, madame. Si je peux vous aider de quelque manière que ce soit, je le ferai avec plaisir.
Alors, vous êtes revenu la queue entre les jambes? Si je n'avais pas été interrompu, j'aurais... À vrai dire, je ne me suis jamais attendu à grand-chose de votre part. Et enfin, qu'importe. Allez, montrez-moi l'avenir. Que je veux voir advenir. Je ne permettrai à quiconque de le changer. Les Zora vivent au domaine Zora dans la région de l'Anel. C'est un peuple aquatique dont l'espérance de vie est bien supérieure à celle des autres peuples. Mipha, la princesse Zora, douée du prodigieux pouvoir de guérir les blessures d'autrui, a été choisie pour piloter Varuta, la créature divine de l'eau. Accompagnée de Link, Zelda se rend en tant qu'émissaire du roi d'Hyrule au domaine Zora. Elle y est reçue par Dorepha, le roi des Zora, mais... Que Mipha pilote la créature divine? Oui. Mon père a toute confiance en elle. Mipha accomplirait brillamment cette mission. Il n'en doute pas un instant. Piloter une créature divine pour sceller le fléau serait une mission très importante. Mais cela implique aussi des risques considérables. J'ai entendu dire que le chevalier purificateur n'était pas encore apparu. Et que les préparatifs pour lutter contre le fléau n'étaient pas terminés. Eh bien... Comment pourrais-je me résoudre à exposer ma fille au danger de cette guerre? Mais... Votre Majesté! Je viens au rapport! Link! Tu as encore grandi, ma parole! Et pourtant, tu n'as pas changé. Oh. Est-ce que c'est... un gardien? Il est mignon. Votre Altesse! Une horde de monstres est apparue sur le mont de la foudre et approche du domaine. Et mon père? Sa Majesté a lui-même pris le commandement et s'est mis en route pour les arrêter. Mais... Son Altesse Sidon n'est pas à vos côtés? Sidon a disparu? Nous nous chargeons de retrouver Sidon. Occupez-vous de protéger le domaine. À vos ordres!
tout seul, comme ça. J'étais très inquiète pour toi, tu sais. Enfin, merci à toi. Tu as été très courageux, petit frère. L'attaque que nous venons de subir m'a fait prendre conscience que nous n'étions pas encore prêts à affronter le fléau. Cette menace concerne tout autant les auras que les autres peuples. Par conséquent, en tant qu'habitants d'Hyrule, nous nous devons de remplir notre devoir. Approche, Mipha. Oui, père. Tu t'es montré digne de piloter la créature divine. Je t'en confie les commandes. Toutefois, promets-moi de revenir saine et sauve. Les Gorons vivent dans le village Goron, sur le flanc de la montagne de la mort. C'est un peuple des volcans, composé de géants au corps dur comme le roc. Daruk, le grand champion des Gorons, doué d'un prodigieux pouvoir de bouclier, capable de protéger de toutes les attaques, a été choisi pour piloter Varudania, la créature divine du feu. Accompagnée de Link, Zelda se rend en tant qu'émissaire du roi d'Hyrule au village Goron pour demander à Daruk de piloter la créature divine, mais... Ce qui est sûr, c'est que c'est pas dans la nature du grand Daruk de refuser son aide à qui la lui demande. Alors j'accepte avec plaisir. Enfin, il y a juste un petit problème. Hein? Mais en fait, c'est que la créature divine en question, bah, elle s'est mise dans un beau pétrin. Rudania est au sommet de la montagne de la mort. Et ces derniers temps, il y a de plus en plus de monstres là-haut. Rien que d'arriver jusqu'à lui, c'est la galère. Mais enfin, bon. Il en faut plus que ça pour vous arrêter, je parie, hein?
Eh bien, je... Alors c'est parti. En route pour la montagne de la mort. Qui me démange. C'était soudain, mais on s'en est plutôt pas mal tiré. Faut dire que tu t'en es sorti comme un chef, hein, petit gars? Et pour cette histoire de pilote de Roudania, eh ben, vous pouvez compter sur le grand Darouk pour vous aider. Je te remercie, Darouk. De rien. Si jamais il se pointe, il va pas comprendre ce qui lui tombe dessus, votre fléau Ganon. Ah oui, j'oubliais. Tu dois avoir la dalle après une bataille pareille, non? J'ai justement ce qu'il te faut. Mon gigot de caillasse Pristan, tu m'en diras des nouvelles. Ça met l'eau à la bouche, hein? Mangeons-le ensemble, petit gars. Non, je suis désolé. J'aurais dû en apporter un aussi pour la princesse. La prochaine fois, je vous préparerai un rocher de première qualité. Merci, c'est très gentil. Et s'il restaure ces machins-choses chez Ika, qu'est-ce qui se passera au juste? Il semble que cela leur révélerait instantanément l'emplacement et la nature de nos forces. C'est sûr que ça nous arrangerait pas s'ils savaient où nous trouver. Des mesures ont été prises. Le moment est venu de travailler un peu pour moi. Un peu de respect, c'est pas... C'est un ordre du Seigneur Ganon. Oh, pardonnez-moi. Un gardien abritant le fléau Ganon. Avec une telle merveille en ma possession, j'aurai le monde entier dans le creux de ma main. Ça paraît incroyable. Peut-on vraiment contrôler le pouvoir du fléau Ganon aussi facilement? Les Piaf vivent dans un village aux confins de Tabanta. C'est un peuple aérien, muni d'ailes qui lui permettent de parcourir les cieux et qui excelle au tir à l'arc. Le fier Revali est le plus talentueux des guerriers Piaf. Accompagné de Link, Zelda se rend en tant qu'émissaire du roi d'Hyrule au village Piaf pour lui demander de piloter Vamedo, la créature divine du vent.
le groupe décide de traverser une plaine enneigée pour éviter de se retrouver face à une horde de monstres. Mais se fait surprendre en chemin par un violent blizzard. Link conduit Zelda en lieu sûr, puis part explorer les alentours, mais... Alors, il est revenu. Aussi longtemps que je serai en vie, je ne te laisserai pas mettre un pied dans le village Piaf. Tu n'iras pas plus loin. Non, arrêtez! J'ai compris ce qu'il s'est passé. Je suis si soulagée que vous soyez tous les deux sains et saufs. Mais... Qu'il existe un gardien identique à celui-ci, voilà qui m'intrigue grandement, Votre Altesse. Oui. S'il est lié d'une quelconque manière au fléau, nous devons au plus vite prendre des mesures. Et pour cela, vous allez avoir besoin de mes talents, c'est bien ça? Pour piloter la créature divine. Tout de même. Le chevalier élu pour assurer la protection de la princesse? J'ai du mal à croire que ce soit un tel gringalet. Non! Qu'est-ce qui lui prend? Apparemment...
Il veut faire savoir qu'il est lui aussi un chevalier au service de son Altesse. Pardon ? Eh ben, on peut dire que vous faites une belle équipe, tous les deux. C'est ainsi que les quatre créatures divines trouvèrent leur pilote. Grâce peut-être à l'influence bénéfique du gardien, qui avait voyagé dans le temps, l'entraînement des pilotes progressait bien, tandis que le plan de lutte contre les monstres prenait de l'ampleur. Zelda travaillait avec acharnement au réglage des créatures divines et à l'étude des reliques. Mais son pouvoir du sceau, en revanche, ne montrait toujours aucun signe d'éveil. Il ne vous adresse même pas une parole de félicitations. Non. Il est tout à fait naturel que mon père ne soit pas satisfait. Mais, Votre Altesse... Pour le moment, tâchons de faire ce qui peut être fait. Va trouver Mipha et Daruk. Dis-leur que nous partons demain à la première heure. Vous vous rendrez auprès des créatures divines ? Bien, à vos ordres. Vois-tu, d'après mon père, si mon pouvoir ne s'est pas encore éveillé, c'est parce que je ne médite pas assez. Va-t-il encore me réprimander si je me rends auprès des créatures divines ? Oh ! Oh, c'est toi ! Les réglages des créatures divines sont encore loin d'être terminés. Il faut améliorer la synergie avec leurs pilotes pour qu'elles puissent déployer leur puissance maximale. Il y a encore beaucoup d'éléments qui m'échappent, mais je finirai par passer leur... Daruk, j'aurais un service à te demander. J'aimerais que tu me laisses m'entraîner avec toi. On ne sait pas ce qui peut se produire. Je veux être sûre d'être suffisamment forte le moment venu. Bah, si c'est que ça, y a aucun problème. Ouais, par contre, il faut toujours qu'on trouve le fameux chevalier porteur de la lame purificatrice. Oui. Ben moi, je me demande si Link... Oh. C'est encore vous ? Cette fois-ci, c'en est fini de vous. Plus difficile que je ne l'imaginais. Il suffit d'un rien pour que change l'avenir. Giga, replions-nous ! Link. Oh.
Le roi d'Hyrule donna son premier ordre aux pilotes des créatures divines. Pour trouver le chevalier qui brandirait la lame purificatrice afin de vaincre le fléau, il leur faudrait tout d'abord libérer la forêt Korogu où reposait la dite lame. L'opération allait impliquer les quatre pilotes, ainsi que Zelda, qui souhaitait en profiter pour effectuer des réglages sur les créatures divines, et Link, le chevalier servant de la princesse, toujours à ses côtés. C'est une mission qui m'a été confiée par le roi d'Hyrule en personne. Je m'efforcerai donc de l'accomplir avec honneur. Pour ça, aucun problème. Ce qui me dérange, c'est autre chose. On peut savoir pourquoi c'est Link qui a été choisi pour commander cette mission ? On s'en fiche de qui commande, non ? Ce qui compte, c'est d'unir nos forces. Peut-être, mais le plan repose entièrement sur ma créature divine. Non, vraiment, tout ça n'a aucun sens. Bref. Ce qui est sûr, c'est que si tu nous mets des bâtons dans les roues, ta réputation risque d'avoir du mal à s'en remettre, monsieur le chevalier servant. Revali, tu n'as pas bientôt fini de te plaindre, ça devient agaçant. J'ai dit ce que j'avais à dire. À présent, je crois qu'il est temps de vous montrer à tous la puissance de la créature divine Vamedo. J'ai libéré la voie ! Allons-y ! Les voilà. La brume est très épaisse. Eh, on va vraiment s'aventurer là-dedans? C'est un coup à se perdre, à mon avis. Ouais, tu m'étonnes. Si seulement on avait quelqu'un qui pouvait nous guider depuis le ciel. Avec ce brouillard, de toute façon, j'y verrais rien du tout. Franchement, ça t'arrive de réfléchir avant de parler? S'il fallait juste s'inquiéter de ne pas se perdre, en cas de pépin, on ne verra même pas d'où vient l'attaque. Oui, nous devons nous tenir prêts. Au cas où, quelque chose... Youpi ! J'ai trouvé des gens qui peuvent me voir ! Youpi ! Youpi ! Oh ! D'où tu sors, toi ? Dis-moi, qui es-tu ? Je suis les musiciens de la forêt, Kourou ! Je m'appelle Nuya ! La forêt Korogu ? Mais c'est parfait, ça ! Dis, tu veux bien nous guider ? C'est fou ! Moi aussi, j'aimerais bien rentrer ! Mais il y a tout plein de monstres dans la forêt, alors je peux pas ! Si tu faisais un peu moins de bruit aussi, peut-être que les monstres ne te remarqueraient pas autant. Ça n'a pas vraiment d'importance.
Nous aussi, nous avons affaire dans la forêt. Nous nous chargerons d'affronter les monstres. Vénérable arbre Mojo. Ce n'est rien. L'épée que tu tiens est la clé pour venir à bout du fléau, la lame purificatrice. Tu viens d'être choisi par l'épée et ainsi d'obtenir le pouvoir de vaincre le fléau. Prêtresse royale d'Hyrule, ne soyez pas impatiente. La voie s'ouvrira à vous le moment venu. D'accord. Pardonnez-moi. Bientôt, je le crains, je vais sombrer dans un long sommeil. Tout ce que le destin vous réserve, vous êtes en mesure de l'affronter. À vous de donner un nouvel avenir à Hyrule.
Que dois-je faire? Si je ne parviens pas à éveiller mon pouvoir... Cette mélodie... De plus en plus fort. Alors que moi, de mon côté, c'est bien ce que vous pensez, n'est-ce pas? Ces derniers temps, les monstres sont de plus en plus nombreux. Sans doute un signe que le fléau se rapproche. Alors, le temps nous est compté. Et pourtant, j'attends toujours que mon pouvoir se manifeste. Madame, en vous comparant à Link de la sorte, il me semble que vous faites fausse route. Regardez-le. Vous trouvez qu'il a changé depuis qu'il porte son épée? Pas le moins du monde. Il est toujours prêt à relever les défis qui lui semblent à sa portée. Je pense que c'est tout ce qui lui importe. Et vous? Vous n'êtes pas tellement différente de lui. Songez à tous les efforts que vous avez fournis. Oui, mais dans mon cas... Vous impatienter ne sert à rien. L'arbre Mojo vous l'a bien dit, n'est-ce pas? Tout ira bien. Vous n'avez aucun reproche à vous faire. Mais vous devez croire en vous. Merci, Urbosa. Les pilotes des créatures divines et le chevalier purificateur joueraient un rôle essentiel face au fléau. Le roi les rassembla tous les cinq pour une cérémonie d'intronisation qui les consacrerait en tant que prodiges. Héros d'Hyrule, élu de la lame purificatrice. Toi qui as prouvé ton habileté au combat et ta volonté infaillible, reçois la bénédiction de la déesse Ilia. À travers les contrées célestes, par-delà les limbes du temps et les ténèbres du crépuscule, l'âme du héros et l'épée de la destinée ne font qu'un. En ce jour et pour toujours, que nos prières galvanise sa lame et soutienne ton bras. L'âme de pureté, venue de... C'est un peu lugubre, non? Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas toi qui voulais une cérémonie officielle à l'ancienne pour célébrer sa nomination en tant que chevalier servant? Par-delà les mers, dans sa quête du pouvoir d'or. Quoi qu'il en soit, il suffit de regarder la princesse pour constater qu'elle n'apprécie pas ce garçon beaucoup plus que moi. En ce jour et pour elle n'y peut rien. Mettez-vous un peu à sa place. C'est dur pour elle. Tout en lui lui rappelle qu'elle n'est pas à la hauteur. Nous devons rejoindre le village Goron. Il sera plus facile pour Daruk de piloter sa créature divine si j'y apporte quelques modifications. Il l'a déjà déplacée plusieurs fois, mais on dirait qu'il ne l'a pas encore parfaitement en main.
Quand je pense que ces créatures sont de conception humaine... C'est une chance. Cela veut dire que nous sommes capables de comprendre leur fonctionnement. Je percerai leurs secrets. C'est notre seule chance de sortir victorieux du combat contre Ganon. J'y arriverai, il le faut. Et toi ? Cette épée que tu portes, parviens-tu à la manier convenablement ? Et cette voix qui est censée résonner dans sa lame ? Non, ça ne fonctionne pas. J'en étais sûre. Ces ruines ont été conçues pour l'élu de l'épée purificatrice. C'est la seule explication. Mais je n'arrive pas à comprendre comment cette porte s'active. Pourtant, il y a forcément un moyen d'entrer. Ah. Je t'ai dit que je n'avais pas besoin de tes services aujourd'hui. Je me moque que tu sois là sur ordre du roi. Je suis la première concernée et je ne veux pas de ta protection. Retourne au château et rapporte mes paroles à mon père. Et cesse de me suivre à la fin! Ah, te voilà. Tu as fait drôlement vite. Tu n'es pas son chevalier servant pour rien. En tout cas, je te remercie de t'être déplacé. Elle a encore passé la journée entière sur les reliques. Pas étonnant qu'elle soit épuisée. Et sinon, comment ça se passe? Vous vous entendez mieux tous les deux maintenant? Je vois. Essaie quand même de ne pas lui en vouloir. C'est dur pour elle. Chaque fois que ses yeux se posent sur ton épée, elle a le cœur qui se serre. Elle ne cesse de se répéter qu'elle est la honte de la famille royale. Non pas que ce soit ta faute, évidemment. Mais tu sais, ça fait si longtemps qu'elle travaille dur. Elle n'a jamais ménagé ses efforts. Depuis son plus jeune âge, elle passe de longues heures à méditer dans l'eau glacée des sources. Elle en est sortie plus d'une fois transie de froid. Ou encore grelottante de fièvre. Malgré ça, son pouvoir ne s'est jamais manifesté. Alors elle se consacre à ce qu'elle sait faire. L'étude des anciennes reliques. Crois-moi, c'est une fille bien. Protège-la. Elle le mérite. Et puis c'est ton rôle. Il commence à faire frais. Je devrais peut-être la réveiller. Ah. Urbosa, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Cette blessure n'a pas l'air trop sérieuse. Mais tu devrais peut-être faire plus attention.
tu as beau être fort, tu n'es pas immortel. Les rapports récents indiquent que les monstres se font chaque jour plus agressifs et que des espèces encore plus redoutables font leur apparition. C'est inquiétant. Se pourrait-il que ce soit là un signe annonciateur de la résurrection de Ganon ? Allons, ne traînons pas. Mieux vaut nous attendre au pire. Nous n'en serons que mieux préparés quand ce jour arrivera. Celle-ci aussi, et celle-là, là-bas. Les fleurs d'Hyrule ne se contentent pas d'être belles. Ce sont aussi des matériaux de premier ordre. Oh. Celle-ci, c'est une princesse de la sérénité. Son espèce est menacée, malheureusement. Depuis quelque temps, nous les cultivons intensivement pour tenter de les sauver, mais leur nombre ne semble pas augmenter. Après tout, la princesse est peut-être vouée à disparaître. Hélas. Oh ! Tiens, regarde ça. Non seulement c'est délicieux, mais en plus, on a découvert récemment que sa consommation aurait une influence sur nos capacités. Nous menons justement une étude sur les gens de la cour pour déterminer son efficacité. Fort comme tu es, tu ferais sûrement un cobaye exceptionnel. Il faut absolument que tu y participes. Allez, fais A. C'est drôle. Ça me rappelle notre première rencontre. Tu étais un enfant si turbulent. C'est vrai, tu n'arrêtais pas de te blesser. Et moi, je te soignais. Je veillais sur toi comme je le fais aujourd'hui. Mais les Iliens grandissent si vite. Bien plus vite que nous, en tout cas. Tu es déjà presque un adulte. J'étais heureuse de pouvoir te soigner. Très heureuse même. Ce fléau qui va ressusciter. Ganon. Je connais son nom depuis toujours, mais je ne sais rien de lui, ni des combats qui nous attendent. Mais sache que si jamais il devait vous arriver quelque chose, à toi ou à l'un de nos compagnons, je vous soignerai. À chaque fois, quelles que soient vos blessures, je serai là. Je serai là pour te protéger. Et quand la bataille sera terminée, j'aimerais beaucoup que tu reviennes me voir. Comme quand... quand nous étions tous les deux des enfants. La pluie n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. En choisissant de devenir chevalier, tu as suivi les traces de ton père, tu t'es entraîné durement. Jusqu'à devenir si fort que l'épée purificatrice t'a reconnu pour maître. C'est merveilleux, exceptionnel même. Mais si tu n'avais jamais fait preuve du moindre talent à l'épée, mais qu'on ne cessait de te répéter, depuis ta plus tendre enfance qu'un fils de chevalier, se doit de devenir chevalier lui-même. Si on t'avait répété ces mots toute ta vie. Dis-moi, aurais-tu choisi le même chemin ? Comme c'est grisant ! Nous sommes enfin en mesure d'activer les gardiens !
À ce rythme-là, nous aurons au fait de maîtriser également les créatures divines. Nous aurons alors toutes les chances de notre côté. Nous pourrons tenir tête à Ganon le moment venu. Que faites-vous ici ? Nous observions les gardiens. Si nous voulons être en mesure de repousser Ganon, il nous faut tout savoir de ces reliques. Je vois. C'est tout à fait exact, en effet. L'étude des reliques est essentielle à la survie du royaume. Cependant, vous conviendrez que ce n'est pas là le premier devoir de la princesse d'Hyrule. Combien de temps encore comptez-vous vous soustraire à vos responsabilités ? Je ne m'y soustrais pas. Il y a quelques jours, je me suis rendue à la source du courage. J'y ai prié avec ferveur. Vous passez tout votre temps sur ces reliques, comme si la méditation ne revêtait pas la moindre importance à vos yeux. Vous pensez peut-être que le pouvoir du sceau s'éveillera de lui-même sans effort de votre part. Je l'ignore. Je fais tout mon possible, père. Simplement, je le vois bien. Je vous serais d'une plus grande utilité si j'apportais ma contribution d'une autre manière. Incroyables excuses. J'en ai assez entendu. À partir d'aujourd'hui, je vous interdis de vous approcher de ces reliques. Vous consacrerez votre temps à la méditation. Savez-vous seulement ce que l'on dit de vous à la cour? Savez-vous comment ils vous considèrent? Comme une princesse ratée. Une irresponsable incapable d'accomplir son destin. Prouvez-leur à tous qu'ils se trompent. C'est compris ? Oui. Non, mais franchement. Me demander comme ça de prendre les commandes de la créature divine, je vous jure. Mais bon. Au moins, ça me fera de l'entraînement. Les exploits de Vanaboris avaient ouvert la voie vers le repère du gang des Yiga. Profitant de ce succès, nos héros décidèrent de prendre l'offensive et de se lancer à l'attaque. Allez, debout! Vous nous avez donné du fil à retordre! Mais... Je m'en fiche même complètement. Et vous savez pourquoi ? Parce que vos vies s'arrêtent ici et maintenant. Si tout se passe bien. Je t'y pensais. Un point de ta banane. Aujourd'hui, ici même, le chef suprême des Yiga, le grand Koga,
va vous exterminer tous autant que vous êtes. Grand Koga. Tu nous as raconté des bobards, hein? Il m'est impossible de laisser passer un tel affront. Absolument. Maître voyant. Tout était prédestiné. Même cette défaite. Hein? Mais je vous préviens. Et si jamais vous décidez de vous séparer de moi, vous deviendriez aussitôt des ennemis du fléau Ganon. Oh. Oh. Sage décision. Le gang des Yiga est indispensable à la réalisation de notre grand dessein. Continuons à coopérer, vous et moi. Oui. Et œuvrons à la résurrection du fléau. Le pouvoir du sceau. Il permet d'endiguer le fléau et se transmet de mère en fille. C'est un pouvoir sacré, éveillé par la prière. C'est ce qu'on m'a toujours répété. Pourtant, ma mère me parlait d'une force mystique qui l'habitait et des voix des esprits qu'entendait ma grand-mère. Mais moi, je ne ressens ni n'entends rien de tout cela. Mon père m'a maintes fois réprimandé à ce sujet. Ce n'est pas en perdant votre temps à jouer les chercheuses que vous éveillerez votre pouvoir. Seulement, j'ai beau prier de tout mon cœur depuis l'âge le plus tendre et implorer la terre foulée par les anciens dieux, le pouvoir sacré ne s'est jamais manifesté. Alors, dis-moi, que puis-je faire de plus? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Tu sais, tu avais raison pour mon cheval. Avec de la patience et de la douceur, tout va beaucoup mieux. Nous arrivons à nous comprendre désormais. Nous allons finir par devenir de vrais amis, lui et moi. Comme il est docile à présent. Moi qui étais si sûre qu'il n'accepterait jamais le harnachement royal. Je m'étais bien trompée. Regarde, il s'y est habitué, non? Comme quoi, quand on se met un peu à la place des autres, ça change vraiment tout.
C'est la montagne de l'Anel, là-bas. Elle tire son nom de celui de la déesse de la sagesse, Nehiru. Tu connais la coutume, bien sûr. Nul ne doit s'aventurer sur la montagne avant ses 17 ans. C'est l'âge de la sagesse auquel chacun peut fouler les terres de la déesse sans l'offenser. La source de la force, la source du courage, aucune des deux n'a pu éveiller mon pouvoir. Mais peut-être... peut-être que si je vais là-bas, à la source de la sagesse, cette fois... Je me fais peut-être des idées, mais ça ne fait rien. Tant qu'il restera une chance, si infime soit-elle, je dois y croire jusqu'au bout. Demain, j'aurai 17 ans. Demain, j'irai. Je me rendrai sur la montagne. L'application des mesures pour contrer le fléau se déroulait sans encombre. Mais Zelda ne décelait toujours aucun signe de l'éveil du pouvoir du sceau. Misant tout sur ce maigre espoir, elle décida d'aller méditer à la source de la sagesse. Seuls les plus de 17 ans sont autorisés à accéder à la montagne de l'Anel, berceau de la source de la sagesse, car il dispose de la maturité nécessaire. Zelda résolut donc de s'y rendre le jour même de son anniversaire. Alors, racontez-nous, princesse, comment ça s'est passé sur la montagne sacrée? Toujours rien, n'est-ce pas? Pas de pouvoir du sceau. Pardonnez-moi. Allons, madame. Vous avez fait de votre mieux. On n'y peut rien si ça n'a pas fonctionné. Après tout, la méditation n'est peut-être pas le seul moyen d'éveiller le pouvoir du sceau. Il est tout à fait possible qu'il finisse par se manifester d'une autre manière. Merci, Urbosa. Votre Altesse... Hein? C'est un peu difficile à expliquer. Voilà, je me suis demandé... Je me suis demandé à quoi je pensais quand... Quand j'utilisais mes pouvoirs de guérison. Eh bien... En fait, je... C'est lui. Il s'est éveillé. Vous inquiétez pas, princesse. Moi et les autres, on va s'en occuper nous-mêmes. Écoutez-moi, tous dans les créatures divines, prêts à le canarder. Dès que Link engage le combat contre Ganon, on fait feu comme un seul homme. Tiga, toi, tu vas au château d'Hyrule. On sera là pour te couvrir. Alors transforme-moi ce Ganon en chair à pâté! Allez, venez, madame. Vous devez vous mettre en lieu sûr. Pas question. Laissez-moi vous suivre. Je ne vous serai sûrement pas d'un grand secours. Mais... Je veux au moins rester à vos côtés. Hein ?
Fuyez! Tu es le chevalier servant de la princesse d'Hyrule. Tu sais ce que tu as à faire, n'est-ce pas? Ma fille, je te la confie. Les créatures divines. Ganon les a... Vous êtes donc arrivés jusqu'ici. Bande de misérables vermines! Mais on dirait... Je vais maintenant me charger de vous anéantir, car c'est là... votre destin! Pourquoi? C'est moi que le fléau Ganon a choisi. Je suis l'élu. Je refuse d'y croire. Je n'accepterai jamais pareil destin. Ô fléau Ganon, repaissez-vous sans plus attendre de ces... ces...
Promis. Père! Père, non! Ne le jetez pas! La résurrection du fléau a déjà été prédite. En tant que princesse d'Hyrule, vous devez vous soumettre à un entraînement rigoureux. Vous n'avez nul besoin d'un jouet de la sorte. Mais... Je suis désolé. Pour rien. Sauve-toi. Il n'est pas encore perdu. Link peut encore être sauvé. Votre Altesse! Votre Altesse, vous êtes sauvé.
J'ai une mission à vous confier. Emmenez ce garçon au sanctuaire de la Renaissance. Hâtez-vous! Emmenez-le avant que sa flamme ne s'éteigne. Je vous en prie. Soyez patiente et attendez le retour de votre maître. Même si, comme vous le craignez, son long sommeil efface de sa mémoire jusqu'à notre existence, je sais, je sens qu'un jour, ses pas le ramèneront vers vous. Que comptes-tu faire à présent, prêtresse royale d'Hyrule ? La lame que voici, l'épée de légende, m'a montré la voie. J'ai une tâche à accomplir. Tout n'est pas encore perdu. Tu possèdes une grande force désormais. Vénérable arbre Mojo, pourriez-vous lui transmettre un message de ma part quand il viendra ici ? Voilà, je... Allons. Un message de cette importance se doit d'être délivré en personne, ne crois-tu pas ? C'est vrai.